Si tu veux bien nous rappeler, s'il te plaît, vas-y, Quentin, mets la suivante. Voilà, on avait vu ce thème principal, courir avec un but précis la semaine dernière. Vous n'étiez pas là, Claude, mais vous allez prendre le train en marche, vous allez prendre la course avec nous, d'accord? Super, on va courir ensemble. Donc, courir avec un but précis. Et la parole de Dieu nous dit ceci, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent de toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais vous, c'est pour une couronne indestructible. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas comme pour battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Et ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait vu 4 points que Paul va énumérer dans 1 Corinthiens 10. Il dit « Fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez l'idolâtrie, fuyez les provocations, c'est-à-dire provoquer Dieu, et fuyez les murmures, qu'il n'y ait pas de murmures. Qu'on ne murmure pas ni contre Dieu, ni contre notre frère, notre sœur. Que le Seigneur nous garde de ça. » Et aujourd'hui, ce texte qui nous dit dans 2 Timothée 2,4, « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Si je veux marcher dans la voie que Dieu veut pour moi, je suis amené à m'occuper de lui et de lui seul. » Amen. Je veux que ça soit ma priorité. Je veux comme focaliser sur lui, me centrer sur lui. Je veux arrêter de regarder à droite, à gauche, mais je veux regarder à ce que Dieu veut pour ma vie. Amen. Et vas-y, mets la suivante, s'il te plaît. Il est écrit ceci aussi. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Il y va fort, hein, Paul, hein ? Ne soyez pas stupides, arrêtez maintenant de tourner en rond, arrêtez de faire vos histoires, arrêtez de vous disperser, arrêtez d'aller à droite, à gauche, recentrez-vous sur le Seigneur. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur, garde les yeux fixés sur ce que Dieu veut. Ne t'embarrasse pas des choses de la vie courante, arrête les choses qui viennent te disperser, qui viennent t'amener à perdre du temps. Et donc la semaine dernière, on a vu, c'est vraiment continuer dans ce que Dieu veut. Et tu as peut-être pris conscience de quelque chose la semaine dernière, suite au partage que l'on a eu, suite au passage qu'on a pu lire, peut-être quelque chose qui est venu dans ton cœur. Peut-être que c'était dans la semaine, dans ton temps personnel avec Dieu, dans ton temps de prière. Tu as peut-être cherché le Seigneur d'une manière particulière et tu t'es laissé sonder par lui. Et il y a quelque chose que Dieu te demande de faire. Suite à ces moments passés de cœur à cœur avec lui, suite à ce que tu as reçu, le Seigneur a déposé quelque chose dans ton cœur. Je l'espère. Et vraiment, la part de Dieu, je t'encourage à aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut pour toi. Rentre vraiment dans le plan que Dieu a pour toi. Va jusqu'au bout de ce que Dieu te demande. Dieu t'a montré certaines choses pour ta vie. Alors, peut-être qu'il y a des choses à arrêter. Il y a des choses à déposer. Il y a des choses où il faut se décharger. Vivre dans la victoire de Christ. On a chanté ce chant. Positionne-toi, va jusqu'au bout. Obéis pleinement à ce que Dieu a mis sur ton cœur. On va regarder ce texte, s'il te plaît, continue. Il y a une promesse de Dieu dans Exode 23. Exode 23, à partir du verset 20. C'est Dieu qui va encourager le peuple d'Israël en leur disant, voilà, je vais vous donner un pays promis. Je vous ai promis une terre, je vous ai promis un endroit, je vous l'ai promis, mais voilà ce que vous allez faire. C'est écrit ceci dans Exode 23, 20. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger, amen, en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérisiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu ne les serviras pas. Tu ne les
Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Au contraire, tu détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens, les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi. Sinon, le pays deviendrait un désert, et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Je fixerai tes frontières, et on va aller au verset 32. Tu ne feras aucune alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront pas dans ton pays, sinon ils te feraient pécher contre moi. Tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Il est en train de mettre en place toute une stratégie pour eux. Vous allez rentrer dans un pays nouveau, mais dans ce pays dans lequel vous allez rentrer, vous n'allez pas vivre comme les autres. Et nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous n'appartenons plus à la mentalité de ce siècle. Nous avons fait le choix d'avoir la mentalité du ciel. Nous sommes appelés à ne pas nous conformer à la mentalité du siècle présent, mais à nous détourner de ça et à regarder à Jésus. Pas nous embarrasser avec les choses qui nous entourent. Seigneur, les soucis, je veux te les déposer à toi. Tu es celui qui va m'amener à marcher là où tu veux toi. Tu vas ouvrir et il nous dit, je cours devant toi, je marche devant toi, je placerai un ange devant toi pour que tu puisses rentrer dans le pays que j'ai préparé pour toi. Dieu a préparé un terrain pour nous. Mais il va donner cette condition. Il va dire, tu ne feras pas d'alliance avec eux, ni tu n'adoreras pas leur Dieu. Donc il y a vraiment le choix de s'attacher à Dieu seul, pas au faux Dieu. Ok ? Mais qu'est-ce que va faire le peuple ? Qu'est-ce que va faire le peuple ? Ils vont faire des alliances, ils vont se séparer, ils vont adorer d'autres dieux. Ils vont pas aller jusqu'au bout de ce que Dieu a pour eux. Ils vont pas aller au bout de la démarche. Ils vont rentrer dans ce pays, le Seigneur va chasser au fur et à mesure, ça va prendre 7 ans. Dieu leur dit, ça va pas prendre une seule année, ça va prendre plusieurs années. Et on sait dans l'histoire que ça a pris à peu près 7 ans pour rentrer, pour conquérir le pays. Mais simplement, ils sont pas allés au bout de ce que Dieu leur avait demandé. Ils ont gardé certaines personnes des peuples qui étaient là présents. Ils ont gardé. Pourquoi ? Ils les ont gardés parce qu'ils les ont pris pour travailler pour eux. Ils leur ont fait faire les corvées. Quelque part, ils se sont facilité la tâche. Mais en faisant ça, ils ont fait comme une alliance. Dieu avait dit, vous les chasserez, vous garderez personne. Mais eux, ils ont dit, oh ben, on est fatigué quelque part. Hein, on va faire des alliances. Ils vont venir, ils vont rester là. Quoi. Ils vont rester à côté de nous, ils vont nous servir. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu nous encourage à aller jusqu'au bout de notre démarche. Nous avons reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes repentis. Mais Dieu nous amène maintenant à renoncer au péché, à renoncer à toute mauvaise alliance. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est ce stade-là qu'il faut passer pour pouvoir continuer à courir vers le but que Dieu a pour nous. Si je fais que me repentir et que j'accepte Jésus, c'est super. Mais demain, quand la tentation va arriver, quand les difficultés vont arriver et que je vais faire alliance à nouveau, c'est comme si je mettais tout par terre. Mais je suis amené à renoncer pour courir vers le but que Dieu a pour moi. Dieu a un but précis pour chacun de ses enfants. Et c'est monté aussi dans une prière tout à l'heure. On est tous appelés à servir le Seigneur. Et c'est vraiment la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Tu es appelé à servir. Tu es appelé à te lever pour servir le roi des rois, à servir le Seigneur Jésus. Mais pour cela, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, oui, découvrir le Seigneur Jésus, reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, reconnaître, se repentir, reconnaître nos péchés. Mais maintenant, il y a ce stade d'après pour aller jusqu'au bout, c'est renoncer à tout ce qui est péché et recevoir l'amour de Dieu, recevoir la guérison. S'il te plaît, regardez. Quentin ? Ah, ça bug. C'est pas Quentin. Ça va arriver. Je ne sais pas si vous avez pris le bon PowerPoint. C'est bon. Renoncer au compromis. Il y a des choses, des fois, là, c'est des parachutes, il y en a qui s'en servent pour l'entraînement.
c'est pour aller forcer davantage. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment l'image des choses que l'on garde, avec lesquelles on garde alliance. On est lié à des choses qui sont peut-être invisibles, mais on est lié et ça nous freine dans la course avec Dieu. Et ils étaient tellement épuisés, les Israélites, qu'ils ont refusé quelque part de chasser. Ils ont dit, bon, on va chercher de l'aide, mais auprès des mauvaises personnes. Quand tu as un souci, quand il y a une difficulté, cherche secours auprès de Dieu. Fais pas d'alliance, mais viens chercher secours auprès de Dieu. Le Seigneur veut te bénir. Et ça va les amener, ces mauvaises alliances vont les amener à vivre dans Juge 1, vous pourrez le lire, on voit très bien que toutes les nations qui sont là, qui prennent possession des territoires, c'est-à-dire qu'on leur donne le pays promis, on a réparti le pays promis pour les tribus, et chaque tribu va refuser de chasser jusqu'au bout tous les ennemis. Et ils vont garder. Ça, c'est Juge 1. Juge 2, il est écrit ceci, comme la sentence de Dieu qui arrive parce que parce qu'ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas chassé tout le monde, il est écrit, « Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels, mais vous ne les avez pas obéis. Pourquoi avez-vous fait cela ?» J'ai dit, « Alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous, au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Ils vont prendre conscience, parce qu'il va y avoir une révélation, qu'ils ne sont pas séparés, ils n'ont pas coupé les liens avec ce qui était étranger, ils n'ont pas coupé les liens avec ce qui n'était pas bon pour leur vie. Et alors il va y avoir ce temps de désolation, eux qui avaient vécu un temps fort, les mêmes avaient vécu un temps fort avec Dieu. Le peuple avait vécu un temps fort à Gilgal, quand ils se sont fait circoncire juste avant de passer le Jourdain, c'était juste avant de rentrer dans le pays promis. Ce peuple-là avait fait alliance avec le Seigneur et il y avait eu ce temps de circoncision. Tout le peuple avait été circoncis, c'est-à-dire qu'ils s'attachaient au Seigneur, ils avaient un signe distinctif dans leur corps qui montrait qu'ils appartenaient à Dieu. Et quelques années plus tard, quelques temps plus tard, ils ont comme abandonné cette alliance. Ils ont gardé les alliances, les mauvaises alliances, et ils se sont fait envahir, à tel point que les Madianites vont arriver, et vous connaissez l'histoire avec Gédéon. Ils vont arriver et ils vont oppresser le peuple pendant 7 ans, dans Juge 6. Pendant 7 ans, ils vont être oppressés. Pendant 7 ans, les Israélites vont préparer des cultures au mieux de ce qu'ils peuvent, tout en se cachant. On va le regarder. Ils vont se cacher. Ils vont avoir quelques cultures, quelque chose vont arriver. Et puis eux, ils vont arriver comme un essaim de sauterelles et ils vont tout dévorer. Et leur objectif, c'est même de dévaster, il est écrit dans la parole de Dieu. Ils viennent ruiner le pays parce qu'il y a eu une mauvaise alliance. Il y a eu mauvaise alliance. Mais face aux mauvaises alliances, il y a une bénédiction de la part du Seigneur. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Et on voit qu'en faisant cette mauvaise alliance, ça va les amener à la mort. Le peuple va être amené à la ruine. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est possible de briser cette alliance mauvaise dans le nom de Jésus, parce que Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire pour nous libérer de toute mauvaise alliance qu'on a pu faire. En effet, il est écrit, « Vous serez saints car moi je suis saint. » Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à marcher selon son cœur, à rompre avec toutes ces mauvaises alliances, à vivre dans la liberté avec lui. Et ce matin, c'est un temps pour accepter devant Dieu de tout lâcher. Dire, je veux dépendre de toi. Je veux marcher avec toi dans tous les domaines. Je ne veux pas me confier dans les propres sécurités que je peux trouver, dans les propres arrangements que je veux trouver, mais je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans ta sainteté. Ce matin, c'est un choix de vie, c'est un mode de vie, c'est marcher dans l'obéissance et la confiance selon le cœur de Dieu. Mettre notre confiance dans celui qui est invisible. Amen. Eux, les Israélites, avaient ce pays promis.
là où coule le lait et le miel, quelque chose de bon. Mais à cause de ces alliances, qu'est-ce qu'il s'est passé? Quand on lit l'histoire de Gédéon, on voit ceci. Il est écrit au verset 2, Juge 6, verset 2. Les dominations des Madianites furent puissantes contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur des rochers fortifiés. Alors qu'ils avaient à la base un pays promis, magnifique, superbe, là où coule le lait et le miel. Mais comme ils n'ont pas rompu, ils n'ont pas coupé les anciennes alliances, et même ils ont fait des alliances nouvelles même, c'est pire. Ils ont fait ça. Ils se sont retrouvés à aller dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers en haut fortifiés. Et quand je repensais à ces termes, le ravin dans les montagnes, pardon, en bas, là, tu te dis, il y a de l'herbe peut-être, mais il n'y a pas de soleil. Tu sais, tu es dans une vallée, tu es bloqué, il n'y a rien, quoi. Les autres sont dans des grottes, endroits humides, sombres, il n'y a rien du tout. Et l'autre, à la limite, il est en hauteur, ok, mais il est au sec, mais il n'y a rien. C'est la pierre, c'est un rocher, il ne peut rien faire pousser. Et en plus de ça, ça veut dire que le peuple est complètement éclaté, divisé, ils ne sont pas ensemble. Parce qu'il y a eu des alliances mauvaises. Ils se retrouvent éclatés. Séparer les uns des autres. Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux vivre avec les frères et sœurs. Je ne veux pas, Seigneur, faire une mauvaise alliance. Je ne veux pas me séparer de l'Église. Je ne veux pas me séparer des uns et des autres. Je ne veux pas faire d'alliance mauvaise, mais rester avec toi. Je ne veux pas vivre sous l'oppression, mais je veux vivre avec toi. L'ennemi n'a qu'un but, c'est de détruire, d'égorger et détruire, on le sait, c'est l'œuvre de Satan. Et il est écrit dans ce texte qu'ils viennent, eux, pour dévaster au verset 5. Ils viennent, il était impossible de les compter, et avec eux et leurs chameaux, ils arrivaient nombreux, et ils venaient pour dévaster le pays. Seigneur, tu veux nous garder en toi, et tu veux nous protéger. Et l'amour de Dieu est là pour nous. Vas-y Quentin. L'amour de Dieu pour nous, c'est trois passages dans 1 Jean 1,9. Où il est écrit que si tu confesses ton péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et on va lire ensemble ce psaume 32. Psaume 32. Il est écrit ceci et... Ah oui, je l'ai mis dans un... Vas-y, tu peux mettre la suivante parce que je l'ai mis dans un ordre certain. J'ai commencé par le 3, verset 3. Il est écrit « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait et je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Amen. Verset 6 « C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. » Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Et ça nous amène, si je viens confesser mon péché, si je viens reconnaître ma mauvaise alliance et que je veux la briser au nom du Seigneur Jésus, si je viens me confier en Dieu, je lui demande pardon parce que je n'ai pas respecté ce qu'il m'a demandé, je lui demande pardon, alors je peux vivre le verset 1 et 2. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme qui a l'Éternel, à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Je veux venir avec vérité devant le Seigneur. Quand je lui demande pardon véritablement, il est celui qui me libère complètement. Amen. Me libère complètement. Et la vie de Gédéon nous montre que lui, il a un cœur qui est bon. Il se met à part et Dieu vient le trouver dans le pressoir. Il est en train de vanner du blé dans un pressoir. Ça n'a rien à voir. Normalement, il faisait ça en plein air. C'était très grand. Il y avait des grandes étendues. Il y avait même, ça se faisait avec des bêtes, avec tout un tas de trucs pour essayer de remuer l'herbe dans tous les sens. Et lui, là, il est dans un pressoir. C'était un endroit qui était creusé dans la pierre. Donc, il est en plein soleil. Ça veut dire que là, s'il est dans ce pressoir, c'est petit. Ça veut dire que la récolte, elle est petite. Il n'a pas grand-chose. Mais il est là et il ne perd pas courage, il essaye d'entretenir, de vivre avec sa famille, tout ça. Et Dieu vient le rencontrer, l'ange de l'Éternel vient de le rencontrer et lui parler. Et va venir le chercher pour qu'il serve, pour qu'il soit le libérateur d'Israël. Et là, ça rejoint cette prière, on est tous appelés à servir. Amen. Il vient chercher, il vient le trouver. Mais lui, il va se voir comment? Quand vous prenez Juge, là où on était tout à l'heure, Juge 6, il va avoir ces phrases-là.
Il va avoir cette réaction quand Dieu va venir le chercher quelque part pour qu'il puisse le servir. Lui, il va dire, mais moi, je suis le plus petit au verset 15. Il va dire, mais mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit de ma famille. Et ce matin, le Seigneur veut t'amener à ce que tu puisses avoir un nouveau regard sur toi. Recevoir la bénédiction de Dieu sur ta vie. Il est écrit ceci, continue, s'il te plaît, Quentin. Vous connaissez ce texte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Amen. Nous sommes réconciliés. Nous sommes de nouvelles créatures. Et nous pouvons maintenant rentrer dans l'appel que Dieu a pour nous. Et quand Dieu va envoyer l'ange vers Gédéon, il va se présenter, il va venir le voir en lui disant ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais lui, il ne va pas croire ces paroles-là. Une deuxième fois, il va lui dire, « Va avec la force que tu as et délivre Israël. » Et c'est là qu'il va dire, « Mais moi, je ne peux pas, je suis faible. Je suis le plus petit de ma maison. » Et ça, c'est parce qu'il ne vit pas dans la personne renouvelée qu'il est en Dieu. On a besoin, bien-aimés, chacun pour notre part, pour entrer au service de Dieu. C'est de saisir pleinement ce verset. Arrêtons de le réciter, mais vivons-le. Arrêtons de dire les choses, de le facile, je connais les versets. Ok, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu vis les versets? C'est une autre question. Et pour vivre ces versets-là, j'ai besoin de couper avec les alliances que je peux avoir gardées dans le secret. Pour pouvoir vivre le plan que Dieu a pour moi. Et Dieu t'appelle à vivre pleinement ce temps-là avec lui. Couper avec ces alliances du passé et vivre cette vie nouvelle avec le Seigneur. Et quand on vit cette vie nouvelle, il est écrit ceci sur la vie de Gédéon, toujours au verset 34, il est écrit « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel ». Quand nous acceptons Christ, le Saint-Esprit vient et habite en nous. Quand je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, quand je lui demande pardon, il vient, il habite en moi par le Saint-Esprit. Nous sommes remplis, revêtus de l'Esprit. Il habite en nous. Et l'Esprit va te donner la force et la puissance de marcher dans cette nouveauté de vie. Et va faire de toi maintenant un serviteur, une servante de l'Éternel. Le passé n'a plus d'impact. Le passé fait partie de ton histoire. Mais tu peux prendre cela et le Seigneur va le transformer parce que Dieu transforme le mal en bien. Les expériences que l'on a pu faire peuvent nous servir pour conseiller quelqu'un, encourager quelqu'un dans la foi, lui dire, tu sais, j'étais comme toi, mais Dieu m'a transformé. J'avais telle et telle difficulté, j'avais tel et tel souci, j'avais tel et tel problème. Je vivais de telle et telle manière, mais Dieu m'a transformé. Dieu m'a bouleversé de l'intérieur. Il a fait de moi une nouvelle créature. Amen. Mais par contre, on voit que Gédéon, même dans sa difficulté, il a continué, il s'est adapté à sa difficulté. Et l'homme a cette capacité, mais aussi c'est un défaut, dans le sens où on peut s'adapter dans l'environnement dans lequel on est, on le sait. Quand des fois c'est difficile, quand on passe une période difficile, le travail ou quoi, on n'a pas trop de revenus, on s'adapte, on ajuste notre niveau de vie. Quand ça va mieux, on revit un peu plus largement. On sait s'adapter. C'est difficile, mais on y arrive. Et Gédéon a su s'adapter. Et Gédéon, dans sa façon de vivre, il va aller battre le blé dans le pressoir. D'accord ? Il le fait avec les pieds, alors que normalement, on ne fait pas ça comme ça. Il adapte sa technique, mais il va arriver à s'en sortir. Et il va tellement être imprégné qu'il va dire « Non mais moi, tu sais, je suis le plus petit, le plus faible, on l'a vu tout à l'heure. » Mais le Seigneur va le pousser, Dieu va le pousser à quitter sa zone de confort. Et Dieu veut que tu quittes ta zone de confort. Parce que tu te dis « Oui, mais là, je maîtrise quelque part. Même si c'est difficile, je sais faire. C'est compliqué, mais je sais faire. » Mais Dieu va prendre Gédéon d'agriculteur. Il va le prendre et le mettre à la tête du peuple d'Israël.
Il va lui donner une intelligence particulière. Il va devenir un chef militaire. Il va devenir un fin stratège. Il va mettre en place des stratégies. Il va mettre en place des embuscades parce qu'il va être revêtu de l'esprit. Dieu veut t'amener à sortir de ta zone de confort. Ouais. Vas-y, s'il te plaît. À nous de vivre et de recevoir et de vivre le pardon complet de Dieu. Vis-le pleinement. Rentre dans cette nouvelle naissance avec lui et dans le plan de Dieu pour toi. Quentin, s'il te plaît, mets la suite. Mets la suite. Voilà. Quitte ta zone de confort. Un œuf. C'est un œuf. Et le poussin à l'intérieur. Tant que le poussin il est à l'intérieur, jamais il va rentrer dans son appel, dans sa vie, dans sa destinée. Il va rester enfermé. Mais Dieu veut ce matin pour chacun de nous que les coquilles explosent, que l'on sorte de là et qu'on se mette en œuvre pour le Seigneur Jésus, qu'on marche dans cette nouveauté de vie. Il nous transforme. On était dans un état liquide et il nous transforme, il nous donne la vie et il nous amène à sortir, amen, à vivre. On veut vivre pour le Seigneur. On veut vivre pour le Seigneur Jésus. Et il y a cet exemple qui est venu sur mon cœur aussi, parce qu'il y a des... J'avais des pensées, c'était vraiment un duel ce matin pour vous annoncer la parole, je vous le dis. Il y a un exemple avec Zachée et l'homme riche. Il y a Zachée qui était riche, qui s'était enrichi, et il y a le jeune homme riche. Les deux vont rencontrer Jésus. Les deux. Zachée, on sait que lui, on sait qu'il était considéré comme un collaborateur, il s'était enrichi sur le dos du peuple, hein, d'accord ? Et puis il va chercher à découvrir Jésus, et puis Jésus va le rencontrer, il va le voir, ils vont se voir face à face, il va y avoir un temps fort de discussion, Jésus va aller manger chez lui, ils vont être ensemble, et la vie de Zachée va être complètement transformée. Lui qui peut être... Et vraiment, prenez la pensée comme je vous la donne sans que personne se sente impacté dans le sens « Ah, c'est que pour moi qui dit ça ?» Non, c'est pour tout le monde. Il y a des fois des choses que l'on fait, notre mode de vie, notre fonctionnement, notre façon de vivre. On a trouvé une identité dans notre façon de fonctionner et on est... Comment dire ? On est quelqu'un parce que l'on fait. Parce qu'on est en train d'exercer, de faire, alors on est cette personne-là. Et Zachée, lui, s'est enrichi, et je me suis mis à la place de Zachée. On sait qu'il est de petite taille. Depuis le début à l'école, c'est la galère. C'est compliqué. Il se fait huer, tout ça. Il en a marre de prendre des coups, c'est toujours le dernier. Et personne ne veut jouer avec lui, tout ça. Tout le monde le pousse, le met de côté. On ne veut pas de lui. Et lui s'est dit, attends un petit peu. Je vais prendre ma revanche. Et il se forge comme ça pendant des années et des années. Il se met la tête, il dit, moi tu vas voir quand je vais avoir l'âge de travailler pour le gouvernement, je vais vous pourrir tous. Tout ce que vous m'avez fait, je vais venir moi, je vais me mettre contre vous, je vais vous prendre l'argent. Et lui, il va se battre comme ça, il va être déterminé comme ça. C'est une supposition, hein, c'est pas ce qu'il écrit. Hein. Mais il va aller comme ça et il va faire avec sa propre force. Et puis quand il est adulte, il prend place dans la société et là, pam, 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 il raquette tout le monde. Tu vois, il raquette tout le monde. Et puis il va rencontrer Jésus et là, il y a tout qui va basculer. Il va comprendre que ce n'est pas la bonne manière de faire. Lui qui avait mis sa sécurité aussi dans l'argent. Et ce matin, c'est couper ce lien avec l'argent. L'argent, c'est une bonne chose quand on l'emploie correctement. C'est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. D'accord ? Et sa vie va complètement basculer quand il va couper ce lien avec le rapport à l'argent. Il ne va plus courir après l'argent. Mais il a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais rendre 4 fois ce que j'ai pris. Je vais lui rendre 4 fois plus. Je vais le bénir. Il va changer complètement d'attitude. Alors que l'homme riche, qui a beaucoup de biens, Jésus va lui dire, il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as, vends-le aux pauvres et suis-moi. Et là, quand Jésus va mettre le doigt là-dessus, il est écrit qu'il repart tout triste. Tout triste. On voit bien que les deux rencontres ne finissent pas de la même manière. J'imagine Zachée transformé, sortant de la discussion avec Jésus, le cœur léger. Il n'y a pas de problème, c'est super. Courir partout avec les bourses. Ah tiens, vas-y, tiens, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Crac, crac. Il met tout à plat.
Alors que l'homme riche va repartir triste, désespéré, sans espoir. Seigneur, moi je veux briser ça ce matin. Dans le nom de Jésus, je ne veux pas retenir la bénédiction que tu as pour ma vie. Je ne veux pas faire d'alliance comme ça, mauvaise. Mais je veux te garder toi au centre de ma vie. Je veux te mettre en premier dans ma vie. Amen. Seigneur, je veux venir vers toi. Je veux marcher là où tu veux toi. Pour récapituler, c'est nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Il y a une destinée pour nous. C'est est-ce que je vais sortir de cette zone de confort? Même si je suis dans un, même si j'ai trouvé un fonctionnement aujourd'hui qui est à peu près correct, mais ce n'est pas celui que Dieu veut pour toi. Dieu ne voulait pas que le peuple continue à être asservi comme ça, mais voulait que le peuple soit libéré. Et Dieu veut faire de toi un vaillant héros. Que tu sois homme ou femme, Dieu veut faire de toi un vaillant héros. Servir le Seigneur, faire connaître son nom, annoncer qui il est. Amen. Tu peux mettre la dernière, s'il te plaît. Il est écrit pour Gédéon, lui qui a eu du mal à croire. Il est cité dans la galerie des héros dans Hébreux 11. Il est cité. Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillant à la guerre, mis en fuite des ennemis étrangers, des armées étrangères, par la puissance de Dieu et par la foi. Voilà ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Nous amener à vivre la victoire. Mais pour ça, je suis amené à couper avec ce qui m'empêche de courir. Et je crois que le Saint-Esprit vient révéler à ton cœur ce matin. Qu'est-ce qui t'empêche de courir ? Libre. Plus ce parachute dans le dos qui te freine dans ta course. Il y a quelque chose à couper. Et ça, c'est Dieu qui te le montre. Ce n'est pas un homme qui va te le dire. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient te rencontrer ce matin qui va te le dire. Je crois que le Seigneur va briser les chaînes ce matin qui sont là et qui peuvent t'arrêter. La question, c'est est-ce que tu veux le vivre ? Est-ce que tu veux rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie ? Est-ce que tu veux rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi ? Amen. Prendre ce temps de prière ensemble. Et ce chant qu'on a chanté tout à l'heure nous disait que Jésus, en donnant sa vie à la croix du calvaire, a brisé les chaînes. En un instant, les chaînes sont brisées. Et il amène à la liberté. C'est vrai qu'il va les mettre en garde. Dieu va mettre en garde le peuple en disant le pays ne va pas être libre d'un coup, ça va prendre pas à pas. Il va y avoir victoire après victoire, c'est-à-dire ville après ville à conquérir. Parce que ça te maintient aussi dans la foi. Et il y a des victoires à prendre pas à pas dans ta vie. Et Dieu va établir comme une stratégie de combat sur ta vie. Il va te bénir, il va ouvrir, il va conduire. Amen. Il va t'aider, il va te donner de remporter la victoire pas à pas. Vas-y Mimi, s'il te plaît. Amen. Est-ce que tu veux vivre libre? Est-ce que tu veux rentrer dans le plan de Dieu? Est-ce que tu veux courir dans l'appel que Dieu a pour toi? On est tous appelés à servir le Seigneur Jésus. Tu fais de nous des serviteurs. Amen. Amen. Méditons ces paroles. Est-ce que c'est ta démarche ce matin?
vraiment vivre l'appel de Dieu sur ta vie. C'est vrai, mais Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Dieu veut continuer à changer et à bouleverser ta vie. Est-ce que ce matin, tu prends conscience avec l'action du Saint-Esprit qu'il y a peut-être des parachutes derrière toi qui te gênent, qui te freinent? Si tu en prends conscience, c'est une bonne chose déjà. Mais est-ce que tu veux qu'ils soient brisés maintenant, ces liens qui te freinent? Si c'est le cas, je t'invite à te lever et à dire: Seigneur, moi je veux vivre vraiment ce que tu as prévu pour moi. L'appel que tu as, je sais qu'il y a un appel vrai, bouillant, puissant sur ma vie. Et je veux le vivre pleinement. Et on a vu tout à l'heure, c'est par la foi qu'ils sont arrivés à fermer la gueule des lions. C'est par la foi qu'ils sont arrivés à renverser des armées. C'est par la foi qu'ils sont arrivés à prendre la victoire. Et c'est simplement par la foi que tu vas y arriver maintenant. Il n'y a rien de, il n'y a rien qu'on peut faire, nous. Mais toi, placer ta confiance en Dieu. Et si tu places ta confiance en Dieu, alors lui, il va ouvrir. Lui, il vient briser les chaînes. Il vient briser ce qui te freine. Et c'est maintenant la course avec Dieu. Vaillant héros. Vaillant héros. Seigneur, tu vois mon frère, ma soeur qui se lève ce matin. Tu vois leur cœur, Seigneur Jésus. Prenant conscience qu'il y a des choses qui viennent freiner par rapport à la marche avec toi. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser arrêter. Merci parce que le Saint-Esprit nous parle avec précision ce matin. Et tu viens révéler au cœur de chacun quel est ce frein, ce parachute-là qui freine dans la course avec toi. Et Seigneur, nous déclarons que par l'autorité de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant que ces chaînes sont brisées, que ces chaînes tombent, Seigneur Jésus, et que chacun de nous sommes libres en toi. Nous voulons vivre, Seigneur, cette nouvelle nature avec toi. Nous voulons marcher, Seigneur, dans cette nouvelle nature avec toi. Nous recevons, nous croyons et nous plaçons notre foi en toi ce matin. Merci pour l'action de ton esprit qui vient libérer. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui rend libre. Tu es notre Seigneur, notre Dieu, et nous voulons marcher à ta suite. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Continuons à bénir le Seigneur, et dans ce temps de cœur à cœur, comme on a dit, t'es simplement entre toi et Dieu maintenant. Toi face à Dieu maintenant. Dis-le-lui avec tes mots à toi. Amen. Cette chaîne, Seigneur Jésus, je déclare qu'elle est brisée par la foi, et tu la nommes. Des fois, c'est la peur. Seigneur, tu enlèves la peur. Tu as vaincu, Seigneur Jésus. Et tu donnes un esprit de force à la place. Pas un esprit de timidité, de crainte. Mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que tu me donnes. Saisis la bénédiction de Dieu pour ta vie ce matin. Amen. Amen.